Lindsay, ik wil uw man zijn en ik beloof u trouw te blijven in goede en kwade dagen. In armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil u lief hebben en waarderen alle dagen van mijn leven. Si vous êtes du genre à vous émouvoir pour un oui ou pour un non, eh bien cette fois ce sera pour un oui. Ou plutôt pour un ya. Celui de Lindsay, prononcé en plein cœur d'une épidémie de petites larmes. Vous êtes invité au bal du plus beau jour de sa vie. De Pfaff 3, le mariage de Lindsay. Ce jeudi en clair à 20h30 sur B1. Je crois savoir ce que tu vas me demander. Ta mère et moi, nous sommes vraiment fous de joie pour toi, Jay. Toi aussi, tu es tout excité, je le vois sur ton visage, on dirait que tu es sur le point d'exploser. Ce mariage aura le mérite de nous divertir. La partie est loin d'être gagnée. Jim va se marier, hein, c'est ça. Je dois convaincre ses parents que je suis pas un gros naze. Ah ouais, ça se corse. Ouais. On ne change pas la recette d'une tarte qui gagne, même si au bout du troisième service, ça bourre un peu. American Pie Marion Lait, samedi 20h55 sur B1. Ce que je vais vous dire ne sera pas approuvé en haut lieu, mais vous savez quoi? Gagner, c'est important. Les tricheurs peuvent réussir. Bonne chance, décathloniens. Montrons au monde la puissance de la jeunesse, d'accord? Tricher n'est pas jouer. À condition que chacun ait les mêmes atouts pour réussir. Le professeur Plecky convainc ses élèves du contraire. La démocratie américaine est un leurre. On pense tous que Monsieur Plecky est le meilleur des profs. Vous savez, il nous a appris que si on vous laisse pas entrer par la porte, eh ben il faut passer par la fenêtre. Ouais, c'est vrai. On n'a pas triché. On n'a pas triché. On n'a pas triché. Triché pendant les épreuves. Nous n'avions pas de nom polonais et qu'on venait pas d'une école pauvre, les résultats n'auraient jamais été contestés. La grande triche, ce dimanche après-midi à 15h10 sur B1.